Voilà, donc un titre assez accrocheur, c'était voulu pour que vous veniez, vous êtes venu, merci. Ce décrochage. Alors, tout d'abord, si vous voulez bien, on va un petit peu passer quelques minutes autour de ce décrochage. Le quantifier et le qualifier. Alors, pour le quantifier, j'avais prévu plusieurs slides qui expliquaient, certains promo jardin parlent de 5, d'autres parlent de 4, 2, 4, 5, 7%. On va pas rester sur cette analyse du combien, puisque ça varie, mais il y a quand même des chiffres qui arrivent jusqu'à 7%. Il y a, c'est sûr, un décrochage, et c'est assez récent. C'est assez récent. On était habitué à un marché qui était en progression. Et là, depuis un an, deux ans, on décroche. Alors, pourquoi ce décrochage? Alors, pour ce pourquoi, j'analyse, mais là aussi, on va le faire assez rapidement, des choses qui sont extérieures à notre secteur. Il est clair que On ne va pas philosopher sur la diminution du pouvoir d'achat disponible. On vit tous cette chose-là. Donc. Par contre, j'insiste beaucoup sur la deuxième ligne. C'est que parallèlement au fait qu'il y a une diminution du pouvoir d'achat disponible, puisque Brandt, tu as toujours dit disponible, le pouvoir d'achat lui-même ne diminue pas forcément, mais le disponible diminue. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la puissance des autres secteurs. Le voyage, le sport, ces gens-là, avec des capitaux qui sont souvent très très importants, poussent. Je ne sais pas si vous avez un jour voyagé, si vous avez pris un billet d'avion, si c'est fait, vous devez recevoir toutes les semaines des propositions. Ces gens-là ont une puissance de tir et c'est ce qu'il faut voir. Nous, par rapport à cela, on est quand même des petits gamins vu cette puissance. Alors la mutation des consommateurs, bon, on en a fait des conférences là-dessus l'année dernière, deux ou trois, on a analysé cette mutation. Il y a des nouvelles attentes et de nouvelles attitudes. Globalement, le secteur essaie de suivre, mais ce n'est pas évident. Et puis, un point que je considère être très très important, et Patrick Mulan en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ce changement de modèle. Alors pour moi, c'est, pour simplifier, c'est le modèle pavillon avec jardin devant, jardin derrière, qui a quand même fait la richesse de notre secteur, il faut le dire. Et on passe avec des micro-jardins, des jardins, des terrasses, si tu veux passer. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est à Montpellier aujourd'hui. Bon, ce monsieur, il est en train de jardiner. Mais il est évident que dans ce contexte-là, il ne va pas jardiner comme jardiner la génération précédente. Voilà, donc ces micro-jardins et jardins sur balcon et terrasse, c'est la norme dans la nouvelle ville qui se construit. Il va falloir en tenir compte et ce n'est pas aussi évident que ce que l'on pense. Alors, raison endogène, et c'est là que je vais me focaliser. Qu'est-ce qui fait que les choses sont si difficiles? Qu'est-ce qui fait que tout le monde parle de nature et que nous, on n'arrive pas à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, avoir un chiffre d'affaires qui monte? Qu'est-ce qui fait? Alors, pour moi, le nœud est là. C'est ce terme de complexe. Le végétal est un être complexe. Et le jardinage est une activité technique complexe. Je sais qu'on a beaucoup travaillé dans notre secteur pour alléger cette complexité, mais elle demeure. Et pour moi, cette complexité fait qu'on est dans un bien culturel. Alors, c'est ce point-là qu'il faut voir. Et tous les biens culturels actuellement connaissent des difficultés. Les gens qui sont dans la musique classique, les gens qui sont dans le théâtre, qui sont dans la danse, connaissent des difficultés. Parce que ce sont des biens qui ne se consomment pas aussi facilement que les biens de consommation courante. Il faut, pour que les gens y accèdent, ils aient une certaine connaissance. Donc, pour moi, la base de mon raisonnement est là. Un bien culturel exige des connaissances et un accompagnement pour être accessible. Si vous pouviez retenir que ce point-là est l'intégrer dans ce que vous faites, que vous soyez producteur ou commerçant, il y a là un verrou qu'il faut faire sauter, sinon la stagnation, voire la diminution que l'on connaît, elle va perdurer, elle va même s'accentuer. Si tu veux bien. Alors, cette accessibilité, là aussi il y a quelque chose d'assez vicieux chez nous. Il faut passer de l'envie au passage à l'acte. Donner envie de végétal, donner envie de jardin, c'est facile. C'est très très facile. Passer à l'acte, d'avoir un végétal chez soi et de l'entretenir, et de créer un jardin, ce n'est pas facile. Et là, ce passage à l'acte, il faut que tout soit fait pour le faciliter. Sinon, par le fait qu'on est dans un bien culturel, on va continuer à décrocher. Pour moi, c'est une certitude. Donc, gardez cette notion d'envie de passage à l'acte. Alors, 5. Je vous avais dit 5 mesures pour faciliter ce passage à l'acte. Elles sont là. Sectoriser l'offre selon les fonctions et les usages. On va les reprendre les unes après les autres. Donc sectoriser, accompagner, enrichir, organiser, contrôler les prix. On va les faire dérouler. La première. Alors, là aussi, ce n'est pas nouveau parce qu'avec Brandt,
les fonctions, on en a parlé il y a 5-6 ans, mais là, je les sens revenir avec une puissance, c'est très fort. Le leitmotiv, c'est de relier une offre avec un usage. Ce ne sont pas que des mots. Relier une offre avec un usage. On ne parle plus d'un végétal, mais en offre, on parle de l'usage de ce végétal. Alors, pour vous entraîner à cette gymnastique, je vous ai donné quelques usages. Jardinage d'aménagement et d'investissement, jardinage de saison, jardinage urbain, jardinage... On va les faire dérouler. Le premier, jardinage d'aménagement et d'investissement, c'est celui qui est le plus à la peine actuellement. Voilà. C'est quoi ? C'est des végétaux qui permettent d'améliorer le cadre de vie. Et c'est des végétaux aussi qui permettent de donner de la valeur à un patrimoine. C'est deux arguments qu'il faut toujours mettre en avant auprès de vos clients. Planter un arbre, c'est à la fois se donner de l'ombre, mais c'est donner de la valeur au jardin. Donc là, on retrouve tous les végétaux structurants. C'est la base des catalogues historiques des pépiniéristes. Et c'est ces végétaux qui sont les plus difficiles à vendre actuellement. Et là, c'était les végétaux qui faisaient le chiffre d'affaires. C'est ça qui est embêtant. Et pour les vendre, il faut vraiment investir beaucoup de choses. Des conseils et des services. Aider les gens à faire des plans de jardin. Parce que planter une haie, ce n'est pas si simple que ça. Surtout qu'on a donné des idées, des fruitières, des pour les oiseaux, des ceci, des hauts, cela. Et alors, passage à l'acte de cela, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il faut les accompagner pour qu'ils passent à l'acte. Donc, des conseils, des services, des plans, du transport, de la plantation et l'arrosage automatique. Là, on ne vend plus une haie. On vend tous ces éléments-là. Et là, je pense, c'est à réfléchir aussi, là, pour s'en sortir, il va falloir croiser les deux métiers, le métier du commerce et le métier du paysage. Ça se fait, mais je ne comprends pas pourquoi ça se fait aussi mal. Quand vous allez au Royaume-Uni, que ce soit l'Écosse, l'Irlande, vous arrivez dans une jardinerie, la première que vous voyez, c'est un gros chalet, énorme, avec des drapeaux. Et dans ce chalet, vous rentrez, vous asseyez, il y a des paysagistes. Mais c'est, chaque fois, c'est comme ça. Chez nous, ça se fait, c'est souvent un chalet qui est au fond, où il n'y a jamais personne. Pourquoi il n'y a pas ce croisement, je ne sais pas. Mais pour vendre cette fonction du jardinage d'aménagement, d'investissement, si vous ne mettez pas tout ça en route, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, ça ne marche plus. Deuxième fonction. Celle-là, elle roule toute seule. Là, c'est, il fait beau, et Patrick Mullin disait, dès qu'il y a rien de soleil, les gens achètent, prêts à poser. Là, ça, il suffit de communiquer. Le passage entre l'envie et la réalisation est facile à faire, donc ça marche bien. Là, c'est une nouveauté qui est présentée ici, c'est Minier qui lance une gamme terrasse et balcon, prête à... Voilà, donc ça, la communication, des offres, on peut toujours travailler cette offre-là, mais elle roule toute seule. Deuxième fonction, là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a même beaucoup de choses à faire. C'est le jardinage urbain à hors-sol et en intérieur. C'est des végétaux pour la pièce à vivre en extérieur. Là, je ne dirais pas qu'il y a tout à faire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il faut associer beaucoup de choses pour que ça marche. Il faut associer des fournitures, une gamme végétale sélectionnée, du matériel pour que les gens puissent quand même réussir, des services pour leur donner des conseils, enfin, la création d'une communauté. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais là, il y a, sur cette fonction, sur cet usage de jardinage urbain, il y a une mine. Il y a des choses. Il y a une possibilité. Autant pour l'investissement, il y a aussi quelque chose à faire, mais il faudra faire un énorme effort. Le deuxième, la déco, ça roule tout seul, presque. Du moins, on sait faire, tout le monde. Là, il va falloir créer, travailler. Cette présentation est faite pour être présentée à des entreprises et ensuite travailler avec l'entreprise sur ce sujet-là. Là, si tu veux bien, je reste sur ce point-là. Il y a le jardinage d'intérieur. Alors là, là aussi, il y a une mine. Ça commence à vibrer un petit peu. Jardinage d'intérieur, ce n'est pas la plante en pot que l'on pose. C'est donner aux gens les supports pour qu'ils puissent bricoler chez eux. Il y a de plus en plus de grandes vérandas. Il y a des choses dans ce nouvel habitat qui se crée. Dans ces appartements de 3 étages, il y a souvent un grand balcon, une grande terrasse, mais il y a aussi une grande baie vitrée. Et il y a un espace qui peut permettre de faire du jardinage d'intérieur. Et puis le célèbre indoor-outdoor, on fait du jardinage d'intérieur. Et ensuite, l'été, on le sort. Là, voilà, ça, c'est tout ce que vous voyez actuellement dans les bouquins de design. C'est des petits gadgets qui permettent de cultiver des tomates. C'est des petits objets avec la lumière associée. Parce qu'évidemment, il faut mettre de la lumière. Il y a... Voilà, tout ça. Évidemment, dans les jardineries, on le voit, cela. Ça y est. Mais ça devrait être vraiment, vraiment mis en avant. Voilà, ça, c'est pour... Autre,
Autre élément qui est en train de monter en puissance, c'est tout ce qui est jardinage collaboratif, pédagogique, thérapeutique. Là aussi, il y a une mine qui commence à être exploitée, mais qui doit être exploitée. C'est jardin partagé, jardin d'école, jardin de réinsertion, tout ça, c'est des gens qui ont des besoins particuliers. Une jardinerie doit aller vers ces gens-là pour leur demander comment travailler avec eux. Là aussi, dans cette fonction du jardinage collaboratif, il y a une mine aussi. Autre point très très important, c'est tout ce qui est bien-être. Alors, dans le bien-être, j'ai mis tout ce qui est actuellement porteur, mais qui pourrait être beaucoup plus porteur si c'était mieux travaillé. Il y a évidemment la gourmandise. C'est les légumes, les fruitiers, les petits fruits. Il y a un mouvement, il faut l'accentuer, il faut le travailler. À côté, il y a le carré fruitier. C'est un spécialiste des arbres fruitiers petit format qui lance un concept de cette gourmandise par ce carré fruitier. Évidemment, les arômes avec les aromatiques condimentaires, ça fonctionne déjà bien, mais il faut le renforcer. Les parfums, le sens, tout ce qui est sens. C'est l'année dernière, avec Jocelyne Kerjouin, on avait travaillé sur ce sens-là. Il faut le prendre. Et les répulsifs, bon, ça je le dis parce que j'arrive d'un pays dans le sud, entre Montpellier et Nîmes, où on est bouffé par les moustiques puisqu'on ne peut plus traiter. Donc, qui amènera des plantes en disant qu'elles sont répulsives, je vous promets que c'est des semi-remorques qui peuvent être vendues. Voilà, ça c'est le bien-être. C'est tourné autour de... On ne vend pas une plante, mais on vend le bien-être qu'elle permet, que ce soit la gourmandise, les parfums. Voilà, tout cela est déjà dans l'air du temps, mais il faut le prendre et le travailler à fond. Les collections. Là aussi, il y a quelque chose à faire. Je vous ai dit un bien culturel. Et un bien culturel, c'est la collection. Quelqu'un qui aime le théâtre, il collectionne, il va voir, il s'enrichit. Celui qui, bien culturel aussi, c'est le vin. Celui qui prend le vin sur son côté culturel, il va se créer une cave. Nous, on a la chance d'avoir, j'ai cité les plus classiques, rosiers, agrumes, fruitiers, hortensias. C'est des choses qui sont très très riches, ce sont des collections. Donc il faut utiliser cette notion de collection pour que les gens en aient 1, 2, 3, 4, 5. Celui qui a un agrume, il voudra. S'il a un citronnier, il voudra un oranger. Ensuite, il voudra. Il faut travailler ses collections. Ce n'est pas assez bien fait. Voilà. Alors, j'ai été rapide. Je vous ai donné 5 ou 6 fonctions. C'est pour que vous vous habituiez à raisonner les végétaux par rapport à leurs fonctions. Alors, qu'est-ce que chacune de ces offres, qu'est-ce que c'est? C'est pour un producteur, évidemment, une gamme à travailler. C'est déjà fait, mais il faut le faire avec plus d'intensité. Et également accompagner cette gamme avec un dialogue, avec des supports pour le vendeur et pour le consommateur. Et pour le commerce, chacune, c'est un événement, un thème de théâtralisation et un sujet d'animation. C'est vraiment beaucoup de boulot, mais on ne pourra pas y échapper. C'est un bien culturel, il faut l'accompagner avec tout cela. Alors, premier point, c'était accompagner avec cette mise en avant des fonctions. Deuxièmement, c'est accompagner l'offre par de l'innovation service. Là aussi, si vous allez sur le site Ortea, c'est un sujet qu'on a travaillé l'année dernière et même l'année d'avant, des services. Et là, il faut vraiment le garder en tête, et ça c'est surtout pour le monde du commerce, des services pour donner envie, conseiller, aider à choisir, accompagner. Il y a de l'info à donner, compétences et disponibilités du personnel. Bon, je dis disponibilité parce qu'il y a parfois du personnel, mais il n'est pas disponible, il est en train de mettre en place des choses, il n'est pas à l'accueil. Des mises en scène, avec une communication, on y reviendra avant, pendant et après. Et ce dont je l'avais parlé tout à l'heure, un croisement entre commerce et paysage. Voilà, tout cela, c'est dans la grande action des services. Il faut se replonger dans ces services, les affiner et les compléter. Alors, l'innovation utile, là aussi, accompagner l'offre par l'innovation utile, c'est, moi ça me tue, mais cet empilement de nouveautés, ces 15 baptêmes de nouvelles roses, cette 30e colorie de pétunia, c'est fini, on n'est plus dans l'innovation utile. L'innovation utile, c'est quoi? C'est des formes et couleurs en phase avec les tendances déco. C'est quand même pas difficile. Sachez que la tendance déco du design qui nous vient de l'Europe du Nord, avec ses lignes épurées, on se les prit dans les dents, et ça a disqualifié toutes nos plantes en pot. Les bégots, toutes ces choses-là, n'étaient plus dans l'air du temps. L'air du temps, c'était des lignes épurées. On s'est pris le spathiphyllum, on s'est pris l'orchidée, on s'est pris l'anthurium. Voilà, il faut être en phase avec le déco. Le déco... Alors, il y a des gens qui travaillent sur les tendances. Il faut les prendre, ces tendances, les analyser,
et créer des nouveautés en fonction de ces tendances-là. Résistance aux maladies, c'est la base. Développement réduit, ben je vous ai parlé de ces petits jardins, vous avez vu le gars qui jardinait sur ce... C'est la base aussi. Et on a parlé de sens, il faut donc qu'il y ait du sens. Toute nouveauté qui amène pas 2, 3 ou 4 de ces éléments-là, pour moi, ce n'est pas une nouveauté, c'est une perte de temps. Dans l'innovation utile, j'ai fait un petit flash sur... Alors ça, là, il y a quelque chose qui est en train de démarrer. Il va falloir vraiment, vraiment le prendre en compte. On n'est pas dans l'innovation produit, mais on est quand même dans de l'innovation. Il va falloir vraiment, vraiment capter tout ce qui existe qui va permettre de connecter le jardin. Ça, il y a du boulot. On a quelques matériels qui permettent de le faire. Il faut vraiment le prendre. Bon, c'est Parrot, hein. Parrot, il permet de... Bon, mais gardez juste jardin connecté. Tout ce qui va permettre de connecter le jardin, le végétal, ses demandes et tout, il faut le... Dans l'innovation, c'est un point que je voulais vous signaler. C'est pour ça que je vous ai mis cette diapo. Autre point, l'accompagner par ce que j'appelle la communication globale. Alors, je vous ai parlé des nouvelles attitudes, des attentes, des comportements, des exigences. Face à cela, cette recherche de sens, de nouveaux rapports à la nature, tout cela, il faut le prendre comme base d'une nouvelle communication, si tu veux bien passer. C'est là que c'est cette communication qui va lever ce verrou de la perte de culture horticole. Injecter des informations et des conseils pour aider. Alors, chaque fois, pensez bien, il faut aider les gens à choisir. Pas donner envie, on a vu que donner envie c'était un autre registre. Choisir, associer, planter, entretenir, il y a ces quatre choses. Le choisir, on l'oublie toujours. Mais si le choix ne peut pas être fait, les gens repartent et n'achètent rien. Et c'est pas facile de choisir. Et évidemment, global, parce que là aussi, l'année dernière on en a beaucoup parlé au niveau d'Ortea, il faut croiser les supports, tout ce qui est web, médias, info magasin, info, pour toucher le consommateur. Et là aussi, avant, pendant et après. Voilà, ce sont des généralités. Ça, c'est fait pour être discuté avec une entreprise. Donc, discutez-le chez vous et voyez qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce tir croisé des supports, mais il est indispensable pour cette communication globale qui permettra de lever les verrous. Alors, un dernier point. Un dernier point qui est... Je ne suis pas à l'aise avec ce point-là, mais je l'affirme. Je l'affirme et je sais que mes amis de la distribution ne sont plus mes amis quand je leur dis ça. Mais... C'est vrai qu'on a fait un travail, que l'offre est de plus en plus élaborée. Mais le prix public, il est de plus en plus élevé pour les végétaux. Et les passages en caisse ne s'oublient pas. Je vous promets que l'offre est riche, mais quelqu'un qui veut se faire un petit balcon, une petite terrasse, qui va acheter un beau support, parce qu'il y a de très très beaux supports, qui va acheter un bon substrat, qui va acheter une belle plante, eh bien, il va avoir un passage en caisse qu'il ne va pas oublier. Et ça, il faudrait peut-être commencer... Je dis à débattre, mais je l'affirme, ça commence à faire mal. Et dans le contexte du pouvoir d'achat disponible, qui n'est pas aussi cool qu'avant, faites attention, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. Mais là, c'est à débattre, parce que c'est quand même sensible. Les gens du commerce, vous dites, ils sont obligés de faire ces marges de deux, de... Je ne sais pas si on va pouvoir continuer à faire ces marges aussi longtemps, hein. Je ne sais pas. Également, il faut pousser l'argumentation de ce prix-là. C'est sûr que jardiner, ça peut être un coût, mais si ça occupe une famille pendant quelques heures, c'est pas une voiture qui sort de garage. C'est quand même, c'est un coût, certes, mais c'est un coût qui fait que le temps qui aurait été passé sur notre loisir, dès qu'on sort de chez soi avec une famille pour aller visiter quoi que ce soit, on ramène une facture. Donc là, il y a un coût de jardinage, mais voir les autres factures aussi. Il faut l'expliquer aux gens. Et je reviens au tout début. C'est sûr que quelqu'un qui achète un pavillon pas top, avec quelque chose autour de lui, ne serait-ce qu'une petite terrasse ou un petit jardin, s'il est judicieusement conseillé, il peut créer un environnement qui fait que sa maison pas top, eh bien, devient belle. Voilà, ça il faut le savoir, c'est évident. Les gens qui connaissent la Côte d'Azur, enlever les végétaux sur la Côte d'Azur, c'est pas terrible. Avec les végétaux, c'est un lieu paradisiaque. Donc on peut faire un petit paradis avec une petite appart avec une petite terrasse, en créant des... Voilà, ça c'est pour argumenter le prix. Voilà. Merci, j'ai terminé sur un côté zen, hein, puisque c'est... Merci de votre attention. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit rapidement, mais c'est fait pour être travaillé au cas par cas pour chaque entreprise. Mais je pense qu'il y a là des éléments qui peuvent être utiles et qui peuvent permettre d'enlever ces verrous que je sens être des verrous qui sont de plus en plus forts et qui, à mon sens, expliquent le pourquoi on est en train de perdre des points et on n'a pas fini d'en perdre si on ne met pas en œuvre toutes ces choses-là. Voilà.